J'étais venu prendre part à une cérémonie sobre, mais qui revêt aux yeux des bénéficiaires une importance capitale. C'était donc une cérémonie de remise de dons à des pêcheurs sénégalais qui avaient été grugés par un partenaire étranger. Ce partenaire a refusé d'exécuter le contrat qui liait donc nos compatriotes à son entreprise. Et ce refus s'est matérialisé par le non-paiement des primes, indemnités et émoluments dus à ces pêcheurs-là. Donc sur la base des comptes rendus que nous avons eu à faire, le gouvernement a pris à bras le corps le problème. Et le président de la République, par suite, a été informé de la situation. C'est ainsi qu'il a donné toute instruction pour que nos compatriotes puissent recouvrer très rapidement leur dû. Il ne s'en est pas arrêté à ce stade. Il a immédiatement mis donc à la disposition de l'administration une enveloppe de plus de 20 millions destinée aux pêcheurs, pour leur permettre, à la veille donc de cette fête importante, cette fête musulmane, pour leur permettre donc vraiment de faire face à ces charges, aux charges qui résultent un peu de la préparation de la tabasque. C'est ainsi que le président de la République a demandé au ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, par ailleurs maire de la commune de Saint-Louis, qui soit dit en passant, a été un relais important dans ces démarches administratives qui ont abouti un peu à l'action du président de la République. Donc, M. le Président a demandé au ministre de l'Assainissement, toute affaire cessante, de venir à Saint-Louis et de me remettre sa participation, de me remettre en tout cas l'enveloppe qu'il a bien voulu offrir à ces populations. Et ce matin, nous étions là, entourés des bénéficiaires, pour leur remettre chacun une enveloppe de 200 000 francs. Ils sont de l'ordre de 100 000 francs, donc, ils sont donc de l'ordre de 235 personnes, et chacune d'elles va recevoir une enveloppe de 100 000 francs. D'abord par M. le gouverneur et ensuite par Eliman, donc le responsable des pêcheurs. Quand j'ai été mis au courant de cette histoire, j'ai joué mon rôle de facilitateur, ce qui a amené aujourd'hui au geste que M. le Président a bien voulu faire à l'endroit des pêcheurs, en les appuyant effectivement, donc pour un montant de 100 000 francs chacun, envie de passer vraiment de très bonnes fêtes de Tabaski. Mais au-delà de ce geste, hein, moi je lance un appel donc à mes concitoyens hein, de Saint-Louis, mais les Domoulards, les Guédenariens, tout le monde, en tout cas pour qu'ensemble nous soyons toujours là à travailler dans une dynamique hein, d'œuvrer dans un bon sens, c'est-à-dire en respectant les textes par rapport à l'administration, en prenant toutes les garanties nécessaires en cas de contrat avec un partenaire extérieur. Et cela, c'est important. Je pense que cela a servi de leçon et que demain, pareille situation ne se passera plus. Ce qui est important, en tout cas, nous lançons un appel donc à l'endroit de tous les Saint-Louisiens, c'est de pouvoir nous aider dans notre rôle d'assistance hein, en direction des populations pour qu'au niveau de Saint-Louis, en tout cas, la ligne que nous sommes en train de tracer, je parle de nous, c'est-à-dire le conseil municipal et moi, pour amener Saint-Louis de l'avant, que toute la population puisse adhérer dans cette dynamique-là. Et c'est important, nous voulons que Saint-Louis, donc, en tout cas, soit le centre du Sénégal, je veux dire même le centre de l'Afrique, et c'est important que toute la population se joigne à nous pour arriver à ce résultat. Nous sommes là, 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 nous sommes là
nous avons fait un Je suis un homme qui a été un homme.